En Italie, un homme a ouvert le feu sur des migrants africains ce samedi dans la ville de Macerata alors qu'il circulait à bord d'une voiture. La fusillade a fait 6 blessés, dont 4 graves. Drapeau italien noué aux épaules, l'auteur des coups de feu a été arrêté par la police en possession d'un pistolet. Il a fait un salut fasciste après être sorti de son véhicule. Âgé de 28 ans, Luca Traini est un militant de la Ligue du Nord. Il s'était présenté à des élections locales en 2017 et n'avait obtenu aucune voix. Cette attaque raciste pourrait avoir un lien avec un fait divers amplement couvert depuis 2 jours par la presse italienne. Un Nigérian, demandeur d'asile et dealer de drogue, a été arrêté dans cette même ville de Macerata. Il est soupçonné de l'assassinat d'une jeune Italienne de 18 ans, dont le corps a été retrouvé mercredi découpé en morceaux dans des valises.